Salut tout le monde, c'est Capi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour encore une fois une petite vidéo sur mon sacrieur. Donc voilà, je suis niveau 134, voilà, parce que hier on m'a conseillé une nouvelle zone pour aller XP. Comme on a eu un petit changement, en gros je vous explique vite fait, on a changé de guilde, et du coup on n'est plus dans la même alliance, et on sait plus aller au Doppel. Donc voilà, il fallait que je trouve autre chose. Et Cyril, alias Biosphère, m'a dit que les Oisinges c'était pas mal parce qu'il y avait beaucoup d'étoiles. Et comme il sait que c'est les groupes de 4-5 mobs avec des étoiles, c'est le genre de combat que je recherche, ben, je suis allé tester et franchement, je suis très, comment dire, très surpris parce que c'est vraiment sympa. Je vais faire un combat avec vous. Là, en plus, la zone est quand même vachement grande. Je vais essayer de faire ça rapidement. On va un peu nous faire du tchal, hein, on verra bien après. Parce que en fait, le seul truc, je veux dire, qui est un peu chiant sur cette map, enfin sur cette zone plutôt, c'est pour faire les challenges. Alors il y a certains challenges qui sont tellement galères, parce qu'en fait, les Wasinges font une sorte de sacrifice sur les autres, et donc du coup, si par exemple vous avez focus, eh ben ça va taper un autre et tout, et puis ça la merde. Donc comme d'habitude, pour aller plus vite, je vous conseille le mode créature. Ça va deux fois plus vite. Et alors, désactiver peut-être les canaux combat comme ça. C'est pour aller plus vite. Hein. C'est toujours un conseil que je vous donne, moi je le laisse en normal. Le seul truc un peu chiant, c'est que voilà, ils se soignent entre eux. Mais une fois que vous êtes suffisamment boosté, normalement vous pouvez les tuer en un tour. Hein, comme voilà. Et donc c'est vraiment facile, l'XP est vachement sympa. Et en plus la zone est quand même. Ouais, je vais vous montrer après, mais moi je trouve qu'elle est quand même vachement grande. Et en plus elle est facilement accessible puisqu'elle est juste ici en dessous. Enfin, je vous montre un petit peu toute la zone. Voilà, c'est tout le carré jaune. Enfin, le rectangle jaune ici. Et c'est juste en dessous d'Astrup, donc c'est super facile d'accès. Et en plus les drops sont sympas. Parce que je vais vous montrer avec le bestiaire, voilà. Donc sans tchal 500 000, c'est pas dégueu. En plus on a droppé pas mal. Et alors ces machins là, les étoffes de Oisinges, servent dans le val d'encre qui est ici, voilà. Donc il y a toujours des gens qui en auront besoin. Et ça c'est cool. Et alors il y a les. Attendez, je réfléchisse, le bestiaire. Il y a un truc, je sais plus si c'est les jus, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, les jus d'Oisinges qui coûtent 20 000 kama unité à peu près. Donc voilà, il y a peu de chances que j'en drop un. Parce que c'est un seuil de prospection à 400, donc genre 1%. Ah bah il est mis. 1% de chance de l'avoir. Mais ouais, franchement, c'est. Enfin, si vous pouvez venir, même limite à plusieurs, je dirais. Les gourgouilles, elles drop absolument rien. Il y a aussi des quans. Et voilà, les maps sont assez diverses. En général, elles sont pas mal du tout, je trouve. Et regardez, il y a pas mal d'étoiles. Je vais encore faire un combat avec vous. Là, on va le faire en speed. On va faire en mode on tryhard. Voilà. Merde, j'ai oublié un truc. Vous voyez l'histoire que je vous disais, voilà, j'ai tapé celui-là, c'est lui qui a pris les dégâts à cause du fameux sacrifice. Donc c'est toujours galère pour les tchals. Ah bah non, ça va être faisable en fait. Puisque le plus haut niveau, c'est celui qui était là-bas. Donc ça va. On va essayer de battre le record de temps. Allez, arrête de te régène, et voilà. Voilà, 40 secondes, 680 000 XP, plus ou moins. En plus, j'ai mis 1% en guild. Parce que oui, deuxième chose dont je devais vous parler. Donc du coup, on a changé de guild, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais pour quelle guild? Bah, tout simplement, on a recréé une guild. Voilà. Bon, ils m'ont remis max scott, mais j'ai les pleins droits normalement. Ouais, voilà, j'ai quasi tout. Je peux juste pas bannir en fait. Et sauf moi-même, hein, bien sûr.
Voilà, la guilde a été créée hier soir, même limite c'était cette nuit, je sais plus exactement. Et voilà, on a retransféré un peu tout le monde. Et alors oui, je voulais vous dire aussi que la guilde recrute des niveaux 180 et plus, avec qui ont la bonne humeur et qui jouent, je veux dire, pas forcément beaucoup, mais genre qui sont enfin des joueurs habitués, je vais dire. Pas des gens qui vont venir dans le truc et genre commencer à spammer, ouais, vous pouvez m'aider, vous pouvez m'aider, vous pouvez m'aider et tout. C'est pas l'objectif quoi. L'objectif c'est d'avoir une guilde avec des gens sympas et pas forcément genre vouloir tous venir parce que je suis dans la guilde ou quoi. Enfin, voilà, c'est une guilde comme une autre. Et si vous voulez, vous pouvez me MP ou alors MP War Moon. Je vais vous montrer les trois pseudos que vous pouvez MP. Donc War Moon, Byokura ou moi-même. Et nous, on pourra vous inviter dans la guilde si vous êtes niveau 180 et plus. Donc voilà, bah c'est un petit peu tout pour la vidéo. Voilà, je vais surtout vous présenter la zone XP, là, si vous ne la connaissez pas. Donc encore une fois, c'est pour les sacrures sagesse. C'est sûrement faisable avec les obales, comme j'avais fait un tuto dessus. Mais franchement, avec le sacré, c'est bien plus rapide. Enfin, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était pas très très long, mais j'espère que voilà, que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer, voilà, dans les niveaux qui sont en train de monter. Je vais dire une fois que je serai niveau, comment dire, 145, 150, je vais essayer de faire un truc de sympa. Voilà, je vous dis pas plus. Mais voilà. Bon jeu à tous. Ciao ciao.